Samba yetu nedi kumbane. Papingana Yesu mwana wa zambi. Yetu bwele mu Yerushalema. Samba yetu nedi kumbane. Samba yetu nedi kumbane. Papingana Yesu mwana wa zambi. Yetu bwele mu Yerushalema. Samba yetu nedi kumbane. Yetu sampe muni tuku tadi pingana ya mwana zambi. Yetu sampe muni tuku tadi pingana ya mwana zambi. Na pingane wamata bende wakawita muna wakuya nabu. Na pingane wakata bende wakawita muna wakuya nabu. Yesu nalwe, Yesu nalwe, welela nalwe, wafuta bantu. Yesu nalwe, Yesu nalwe. Merci beaucoup. Merci pour cet accueil. Merci, chers enfants. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Et je suis très heureux de vous rencontrer. Merci pour votre accueil. Merci pour vos prières. Je vous souhaite à tous une grande bénédiction. Thank you.
sans bon Père céleste. C'est avec une grande joie et une grande reconnaissance que nous venons tous ensemble devant toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Rien ni personne ne peut t'empêcher de faire ce que tu as décidé de faire. Tu es le Dieu d'amour. Tout ce que tu le fais dans l'amour. Et nous avons déjà pu si souvent faire l'expérience de la puissance de ton amour. Tu es notre sauveur qui veut nous conduire dans ton royaume à l'abri de la mort et du mal. Tu es notre Père céleste qui prend soin de nous dans la vie de tous les jours. Merci, bon Père Céleste, pour tous tes bienfaits. Tes bienfaits matériels et tes richesses spirituelles. Bon Père Céleste, tu le sais, nous voulons devenir semblables à Jésus-Christ. Mais c'est difficile parce que nous sommes faibles. Et nous n'avons pas encore réussi. Nous avons besoin de ta grâce. Accorde-la nous. Nous avons besoin de nouvelles forces. Donne-les nous. Donne-nous ta paix et ta joie. Nous prions ensemble pour tous ceux qui ont perdu la paix et qui ont perdu la joie. Nous prions pour ceux qui se sont éloignés de toi. Oh, prouve-leur que tu ne les as pas oubliés. Nous prions ensemble pour tous ceux qui souffrent. Ceux qui sont dans la détresse. Les malades, les familles dans le deuil. Ceux qui ne savent pas s'ils seront encore en vie à la fin de cette journée. Accorde à tous ton aide et ton soutien. Maintenant, permets à nos bien-aimés de l'autre monde de se joindre à nous. Et donne-nous beaucoup plus que tout ce que nous pouvons te demander. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, pour ce service divin solennel, nous avons une parole extraite de l'Évangile selon Luc, du chapitre 12, le verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Prenez place.
chers frères et sœurs en Christ. Nous avons commencé ce service divin en louant et en remerciant Dieu. Et c'est ce qu'il faut faire parce que c'est à lui que reviennent toute la louange et toute la gloire. Mais permettez-moi aussi d'exprimer ma reconnaissance personnelle. J'avais vraiment très très envie de revenir à Kananga. J'avais besoin de vous revoir. Ça fait 7 ans que je n'étais plus là. Et je sais que vous avez beaucoup, beaucoup prié pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Et je vous remercie du fond du cœur pour ces prières. Je suis au ciel aujourd'hui à Kananga. Parce que les liens qui nous unissent sont très forts. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Et pendant ces 7 années, vous avez continué à travailler, à servir le Seigneur. Vous avez développé l'œuvre de Dieu. Et vous avez vraiment accompli de très grandes choses. Du fond du cœur, merci mon frère, merci ma sœur. Pour tes prières et pour ton engagement au service de Jésus. Maintenant, assez parlé de moi. Parce que, comme vous tous, je ne suis qu'un enfant de Dieu et qu'un serviteur de Jésus. Ça nous fait plaisir de nous voir les uns les autres. Mais avant tout, nous sommes venus pour entendre Dieu et être auprès du Seigneur Jésus. Les apôtres, patriarches changent. Il y en a un qui part à la retraite, il y en a un qui arrive. Et si Dieu me prête vie, moi aussi je partirai à la retraite. Mais le Seigneur Jésus restera toujours avec les siens. Chers frères et chasseurs, nous avons mis l'accent cette année que nous voulons servir et régner avec Christ. Nous voulons régner avec lui dans son royaume, nous l'avons entendu dimanche dernier. Mais nous voulons aussi régner avec lui aujourd'hui dans notre vie. Autrement dit, nous voulons rester maîtres de notre vie et de nos réactions. Quelles que soient les circonstances qui nous arrivent, quoi que notre entourage fasse ou dise, nous voulons rester maîtres dans notre vie. Notre priorité, c'est notre relation à Jésus-Christ. Notre objectif est et reste devenir semblable à l'image de Christ. Et l'esprit d'en bas essaye toujours de nous créer des problèmes pour que nous soyons bien occupés et pour que nous oublions notre priorité. Ressembler au Seigneur Jésus, lui rester fidèle. Et ce service divin doit aussi contribuer à ce que nous puissions rester maîtres de notre vie. Et quel que soit le bruit autour de nous, quoi qu'il nous arrive dans notre vie personnelle, nous continuons à nous occuper de notre objectif principal. Nous voulons suivre le Seigneur Jésus. Nous l'aimons et nous le servons. Et nous voulons lui ressembler. La parole que nous avons ce matin est certainement une des plus connues de la Bible. Le Seigneur a dit à ses disciples, ne crains pas, petit troupeau,
Le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et cette parole est valable pour nous aujourd'hui. Le peuple des chrétiens de l'apostolique est un petit troupeau. Je sais, ça fait drôle de dire ça, Kananga, où il y a plus de 20 000 personnes ensemble. Mais nous sommes heureux qu'il y ait autant de frères et sœurs ici. Mais quand on compare à la population mondiale, les chrétiens néo-apostoliques, c'est un petit troupeau. Et peut-être l'un ou l'autre pensait, ah, mais avant que le Seigneur revienne, il faut que tout le monde devienne néo-apostolique. Il faut que tout le monde soit salé. Et on se dit, ah oui, mais ça marche pas, il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent même pas Jésus. Donc sous cet angle de vue, nous restons un petit troupeau. Mais je rappelle que le retour du Seigneur n'est pas lié à un nombre statistique de membres dans l'Église néo-apostolique. La préparation de l'épouse ne se mesure pas avec des chiffres. Elle se mesure à la maturité spirituelle des enfants. Quand on regarde les chrétiens néo-apostoliques, on se dit, oh oui, c'est un troupeau de petits. Il n'y a pas beaucoup de riches. Il n'y a pas beaucoup de milliardaires. Il y a beaucoup de gens très simples, des pauvres agriculteurs, des pauvres ouvriers. Beaucoup de gens de conditions modestes. Et alors parfois on dit, oui, mais si vraiment vous étiez les enfants de Dieu, vous devriez être beaucoup plus riches, vous devriez avoir beaucoup moins d'ennuis. Mais non, c'est pas ça qu'on mesure l'amour de Dieu. Jésus a dit, heureux les pauvres, heureux les affligés, les malheureux, les persécutés, ils hériteront du royaume de Dieu. On ne mesure pas l'amour de Dieu pour ses enfants à la richesse et au succès de ses enfants. Ah, on nous dit parfois, oui, mais vous, les néo, vous êtes un peuple de petits. Parce que vos apôtres et vos frères du ministère, ils ne sont même pas capables de faire des miracles. Oh, à chaque fois que je suis en Afrique, je vois de grandes affiches avec des gens qui promettent ils vont faire des grands miracles au nom de Jésus-Christ. Mais parfois on vous dit, mais vous là les néos, vous n'êtes même pas capables de faire des miracles. Non, nous ne sommes pas envoyés pour ça. Nous sommes envoyés pour annoncer l'évangile et préparer l'épouse, pas pour faire des grands miracles spectaculaires. On nous considère comme des petits. On nous considère comme des petits quand on dit, mais attends, les histoires chez les néos, vous voulez être les enfants de Dieu, mais regardez voir tout ce qui se passe chez vous, tout ce qui va mal, toutes les fautes commises. Oh, ça ne devrait jamais arriver dans votre église, si vraiment vous étiez l'église de Dieu. Et on est honnête, on dit, bah oui, nous sommes tous des hommes et des âmes imparfaits, et souvent il arrive des choses qui ne devraient pas arriver, qui ne sont pas correctes. Nous sommes et nous restons des petits.
Mais chers frères et chères sœurs, ce que pensent les hommes de nous n'a aucune importance. Et le Seigneur nous dit, n'aie pas peur, même si les hommes vous disent, oh, mais vous, vous êtes des petits. Moi, j'ai décidé de vous donner le royaume de Dieu. On nous considère comme faibles. Bah, souvenez-vous de dimanche dernier, nous, quand on nous attaque, on répond par le silence. Nous ne répondons pas à la violence par la violence. Et on dit, mais c'est parce que vous êtes faible, vous ne pouvez pas répondre, vous êtes faible. Silence. Laissez-les se moquer de nous, laissez-les rire. Ce que pensent les hommes n'a aucune importance. Si les hommes considèrent que tu es un petit troupeau, ne t'inquiète pas. Ce ne sont pas les hommes qui décident. C'est Dieu notre Père qui décide. Et lui, il a trouvé bon de nous donner le royaume. C'est ça qui est important. Dieu a trouvé bon de nous donner son royaume. Autrement dit, c'est un effet de la bonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est la définition de la bonté de Dieu? Il nous donne ce que nous ne pouvons pas obtenir par nous-mêmes. Il nous donne ce que nous ne pouvons pas mériter par nos œuvres et nos qualités. Il nous donne ce que nous ne pouvons pas acheter avec nos moyens. Il nous conduit là où nous ne pourrions jamais aller sans lui. Il nous donne plus que tout ce que nous pouvons mériter et tout ce que nous pouvons obtenir. Ça, c'est la bonté de Dieu. C'est cadeau gratuit. Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume. Vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez pas le mériter, vous ne pouvez pas l'obtenir. Mais moi, je vous le donne. Et ce royaume, c'est quoi? Ce royaume, c'est la vie éternelle, c'est la communion éternelle avec Dieu, chez lui, dans son royaume au ciel. Où tout est parfait. Où le mal et la mort n'existent plus. Où les hommes sont en communion parfaite avec Dieu et entre eux. Où nous pouvons être véritablement comme Jésus-Christ. Comme si nous aussi, comme Jésus, nous n'avions jamais commis de péché. Ça, c'est ce que Dieu veut nous donner dans son royaume. Mais Jésus a dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement dans le ciel, c'est déjà sur cette terre, il est déjà au milieu de vous. Nous pouvons aujourd'hui déjà faire l'expérience de la présence de Dieu parmi nous. Nous entendons sa voix au service divin. Il nous dispense sa nourriture à travers la Sainte Cène. Nous faisons l'expérience de sa présence à travers la communion des frères et sœurs. Ah, très souvent, le bon Dieu ne descend pas du ciel, mais il nous envoie son enfant, son frère, sa sœur, pour nous aider, pour nous consoler, pour nous faire du bien. Et nous nous rendons compte, oh, cette sœur, ce frère, il a vraiment été envoyé par Jésus pour me faire du bien. Et Dieu nous accorde son aide et nous rendons compte, ah, il n'y a que le bon Dieu qui pouvait faire ça.
Il a fait quelque chose qu'aucun homme ne pouvait faire. Le royaume de Dieu, c'est aussi l'expérience de la présence de Dieu. Aujourd'hui déjà, dans notre vie, là, Kananga. Dieu a trouvé bon de nous donner ce royaume. Mais pour recevoir ce royaume, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester dans le petit troupeau. Il faut rester dans le troupeau des petits. Dès que tu sors de ce troupeau des petits, tu ne peux plus recevoir le royaume. Rester dans le troupeau des petits, ça veut dire rester humble devant Dieu. Se souvenir toujours, 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 j'ai été élu par grâce, je ne mérite rien du tout. Même si tu étais frère du ministère pendant 50 ans et tu as travaillé, 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 tu ne mérites pas d'être un enfant de Dieu. Tu ne mérites pas d'entrer au ciel. Tu es complètement dépendant de la grâce. Rester dans le peuple des petits, c'est dire continuellement, Dieu, bon Dieu, accorde-moi ta grâce. Si tu ne me pardonnes pas mes fautes, je suis perdu. S'il te plaît, laisse-moi entrer dans ton royaume. Je sais que je ne le mérite pas, mais sois bon envers moi. Laisse-moi entrer dans ton royaume. Le petit, il reconnaît ses fautes. Et il les regrette. Le petit, il sait qu'il a tellement besoin du pardon de Dieu qu'il est disposé à pardonner aux autres. Frères, sœurs, restons dans le troupeau des petits. Ceux qui savent, tout ce que j'ai vient de la grâce de Dieu. Je n'ai rien mérité. Et cela nous rend humbles envers Dieu et envers notre prochain. Nous savons que nous ne sommes pas meilleurs que notre prochain. Rester dans le peuple des petits, c'est rester un enfant face à Dieu. Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme l'un de ses enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Jésus donne le royaume de Dieu au troupeau des petits, au troupeau des enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire être un enfant devant Dieu? Ça veut dire être toujours conscient, mon Père sait plus de choses que moi. Mon Père peut faire plus de choses que moi. Mon Père a toujours raison. Et quand on sait cela, alors on est obéissant au Père. L'enfant de Dieu fait confiance à Dieu, son Père. Il lui dit toujours, Père, tu le sais mieux que moi, je veux faire ce que toi tu as dit. Et même quand il ne comprend pas ce que fait le Père, même quand lui voudrait autre chose que le Père, il dit comme Jésus, Père, que ta volonté soit faite, c'est mieux, on fait ce que toi tu veux, pas ce que moi je veux. L'enfant, il accepte les décisions du Père. Ah, ça, c'est pas toujours facile, hein?
Quand on prie, on voudrait imposer notre solution au bon Père Céleste. Mon Dieu, Père, il faut que tu fasses ceci. Père, il faut que tu fasses cela. Bien sûr, nous avons le droit de dire au bon Dieu ce que nous aimerions qu'il fasse. Je le fais aussi. Mais souvent, je me rends compte, ah ben non, le bon Dieu, il veut quelque chose de complètement différent. Et alors, il faut accepter que le bon Dieu choisisse un autre chemin que celui que nous avions envisagé. Oh, c'est pas toujours facile, hein? On aimerait expliquer au bon Dieu tous les avantages si ça marchait comme nous on aime. Et le bon Dieu dit, hey, qui c'est le père? Qui c'est l'enfant? Moi, je suis le père. Laisse-moi faire. Jean-Baptiste n'a pas accepté cela. Il voulait imposer sa façon de voir à Jésus-Christ. Et Jésus a dit, non, 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 moi je ne suis pas venu pour punir les pécheurs. Mon Père veut que j'apporte le salut aux pécheurs. Je pense souvent à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a suivi Jésus pendant tout son séjour sur cette terre. Depuis le début de la mission de Jésus, il était avec lui. Et tous les deux étaient des bons juifs. Quand ils étaient à Jérusalem, ils allaient tous les jours au temple. Et quand ils allaient ailleurs, ils allaient dans la synagogue. Pierre et Jésus étaient des bons juifs qui respectaient la loi juive. Et maintenant, après la résurrection, Jésus vient chez Pierre en disant, écoute, les païens peuvent avoir le même salut que les juifs et ils n'ont pas besoin de respecter la loi juive. Je pense très souvent à Pierre, il a dû dire à Jésus, mais attends, on est juifs, Seigneur, toi et moi, on est juifs, on allait tous les jours dans le temple, tu allais au temple avec moi. Et maintenant tu me dis que ceux-là, ils peuvent être sauvés sans respecter la loi juive, mais ça sert à quoi? Pierre a accepté la volonté du Père. Jésus a cité l'exemple des ouvriers de la vigne en disant, attends, ceux de la dernière heure, ils auront le même salaire que ceux de la première heure. Et les ouvriers, ils n'étaient pas contents, hein? Et le maître leur a dit, mais est-ce que vous voyez d'un mauvais œil que je sois bon? Autrement dit, hey, ça c'est mes affaires, ça c'est pas les vôtres. Reste où tu es et laisse-moi faire. Chers frères et chers sœurs, restons dans le troupeau des petits, de ceux qui sont des enfants face à Dieu. C'est lui qui décide et nous nous faisons sa volonté. Et nous lui faisons confiance. Restons dans le troupeau de Christ. Jésus a dit, mon troupeau, ce sont ceux qui connaissent ma voix et qui me suivent. Suivre, ça ne veut pas seulement dire venir à l'église. Suivre, ça veut dire suivre son exemple. Et Jésus a donné, je vous ai donné un exemple, faites la même chose. Lui, le Seigneur, a lavé les pieds de ses disciples. Et il a dit, je vous ai donné un exemple afin que vous suiviez mon exemple. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir.
Ceux qui font partie de son troupeau le suivent, c'est-à-dire suivent son exemple. Ils ne viennent pas à l'église pour être servis, mais pour servir Dieu et son prochain. Le frère du ministère n'est pas là pour être servi, pour que tout le monde se courbe devant lui, lui apporte des cadeaux, le serve. Ah non, un véritable serviteur de Christ, il est là pour servir. Pour mettre ses forces et son temps à la disposition du Seigneur pour faire du bien aux frères et sœurs. Restons dans le troupeau des petits, ceux qui suivent l'exemple de Jésus, qui servent Dieu et qui servent leur prochain. Suivre Jésus, c'est vouloir devenir semblable à lui. C'est apprendre à réagir comme lui a réagi. Souvenez-vous de dimanche dernier? Je ne réponds pas à la violence par la violence. Quand on m'injurie, on me calomnie, je me tais. Et je laisse faire le bon Dieu. Suivre le Seigneur, c'est suivre ceux qu'il a envoyés. Jésus a dit à ses apôtres, celui qui vous entend, m'entend, celui qui vous écoute, m'écoute. Rester dans le troupeau, c'est continuer à suivre l'enseignement des apôtres. Nous n'adorons pas des hommes. Encore une fois, les serviteurs sont interchangeables. Le jour où le bon Dieu le décidera, il mettra un autre apôtre patriarche, il mettra un autre apôtre de district, il mettra un autre conducteur. Dans l'Église des apostoliques, il n'est jamais question d'homme, il est question du Seigneur Jésus-Christ et de l'apostolat, le ministère en général. Il est question de l'enseignement des apôtres tel qu'il est décrit dans notre catéchisme. Restons dans le troupeau des petits, de ceux qui suivent le Seigneur. Et ne craignez rien, dit le Seigneur, n'ayez pas peur. Ne craignez rien parce que Dieu est fidèle et tout ce qu'il vous a dit et tout ce qu'il a promis, il le fera. Ne crains rien, petit troupeau. Jésus a dit, je serai avec les apôtres jusqu'à la fin. Et il le prouvera. Il a dit qu'il guérit son église sur le roc, sur le service de Pierre. Et que cette église construite sur ce service de Pierre ne pourra pas être détruite par l'enfer. Il a promis qu'il reviendra. Et personne ne pourra l'en empêcher. Ne crains pas, Dieu tient ses promesses. Il reste avec ses apôtres. Il prend soin de son église construite sur le roc de Pierre. Et il reviendra quand lui l'aura décidé. C'est pour cela que nous pouvons rester tranquilles, même quand on nous attaque, même quand il y a des gens qui quittent l'église et qui nous critiquent. Ne perdez pas de temps à discuter,
Ne soyez pas inquiets. Faites confiance au Dieu. Moi, tous ces gens-là, je dis simplement, écoutez, c'est pas compliqué. On n'est pas d'accord, c'est votre droit. Je vous donne rendez-vous au jour du Seigneur. Et au jour du Seigneur, on verra qui avait raison, qui avait tort. J'ai pas besoin de dire autre chose, je suis pas inquiet. C'est dommage qu'il y ait des gens qui partent, c'est vraiment dommage. Mais ça change rien à l'histoire. Et on le verra au jour du Seigneur. Attendez quelques années, attendez le jour du Seigneur, on verra bien. Moi, je suis sûr d'être le pont sur le bon chemin et vous n'arriverez pas à me déstabiliser. Ne vous perdez pas en discussion et en bagarre inutile. Ne crains rien, petit troupeau. Reste calme, tu verras bien. À la fin de l'histoire, c'est Jésus qui gagne. Et tous ceux qui veulent lui faire du mal, moi je leur donne rendez-vous au jour du Seigneur. Écoutez, attendez, soyez juste patients. Attendez, au jour du Seigneur, on verra. Ne crains rien, petit troupeau. Ne crains rien quand tu fais partie du petit troupeau et tu n'acceptes de te battre qu'avec les armes de Jésus. N'aie pas peur si tu te bats avec les armes de Jésus, c'est pas toi qui remporteras la victoire, c'est Jésus. Vous vous souvenez tous de l'histoire de Gédéon, hein? Dieu lui a dit, écoute, va te battre contre les ennemis avec une torche, une cruche et une trompette. Franchement, c'était n'importe quoi. De l'autre côté, ils avaient des épées, ils avaient des armes. Et Dieu lui dit, allez, allez vous battre avec des trompettes, des torches. Et des cruches en terre. Qui a gagné? Dieu, celui qui a remporté la victoire. Ne crains pas de n'utiliser que les armes que le Seigneur t'a données et pas les armes des hommes. Parce qu'en agissant ainsi, c'est Dieu qui combattra pour toi. Reste honnête, respecte les commandements. Fais confiance à l'évangile de Christ. Et efforce-toi de suivre l'exemple du Seigneur. Et n'aie pas peur, Dieu te donnera la victoire. Là, le Seigneur a donné cette parole dans un contexte particulier. Vous pouvez éteindre le son. Vous pouvez éteindre le son. Non, éteindre, on entend la musique. Ah, d'accord. Je croyais que ça venait de chez moi. Et le dernier point. Dans ce passage-là, Jésus leur dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu et tout le reste vous serait donné par-dessus. Et c'est là qu'il ajoute, ne crains pas, petit troupeau, Dieu a donné, trouvé bon pour donner le royaume. Il voulait dire par là, ne crains pas, n'aie pas peur de t'engager pour Christ. Si tu t'engages pour Christ, tu respectes la loi et tu sers Christ, tu ne manqueras de rien. Frère, sœur, n'aie pas peur de t'engager pour le Seigneur et de le servir. Il te donnera toujours beaucoup plus que ce que toi tu lui donnes. La gloire éternelle est
tellement, tellement, tellement plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. N'aie pas peur de suivre, de t'engager pour le Seigneur, tu ne le regretteras jamais. N'aie pas peur de t'engager pour lui, il sera là pour toi, il veillera sur toi. Et il te donnera toujours toutes les forces dont tu as besoin pour faire ce que toi tu veux, entrer dans son ciel. Ne crains pas, petit troupeau. N'écoute pas ce que les hommes disent. Ce ne sont pas les hommes qui décident, c'est Dieu qui décide à qui il donnera le royaume. Reste dans le troupeau des petits. Sois humble devant Dieu. Et confiance et obéis à Dieu comme un enfant obéit à son père. Fais-lui confiance quoi qu'il arrive. Suis son exemple, sers le Seigneur. Deviens comme Jésus. Reste fidèle à l'apostolat. Ne crains pas, Dieu tient ses promesses. Jésus est avec son Église, est avec ses apôtres, Jésus va revenir. N'aie pas peur de ne lutter qu'avec les armes du Seigneur et seulement celles-là. Dieu combattra pour toi. N'aie pas peur de t'engager pour le Seigneur. Il te donnera toujours plus que tout ce que tu peux lui donner. Amen. Amen. Bien, nous avons des invités, vous les avez déjà vus dimanche dernier. L'apôtre du district adjoint Mouchler est là. Il travaille en Allemagne, dans les pays nordiques, dans tous les pays de l'ancienne URSS. Il va nous servir et musique, je ne sais pas qui chante, quelqu'un. S'il vous plaît. Quelle grande fête de foi! Quel grand dimanche! Je suis très très reconnaissant. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. Ces impressions sont magnifiques.
et je ne vais jamais oublier ces impressions ici. Merci pour votre foi. Merci pour votre joie. Suivons notre Dieu et suivons notre Seigneur Jésus-Christ. Et suivons notre apôtre patriarche. Merci de soutenir notre apôtre patriarche. Et merci de prier pour lui. Maintenant, laissez-moi parler en anglais. My dear brothers and sisters, mes très chers frères et sœurs, we heard a strong and a comforting and a good message today. Nous avons eu un message de réconfort qui est aussi très bon aujourd'hui. Sometimes we want to be great, great of honor. Quelquefois nous voulons être grands, avoir des honneurs. Sometimes we seek ourselves, we seek our ego. Quelquefois nous voulons seulement chercher les choses pour nous-mêmes. Sometimes we are looking for earning much money. Quelquefois nous voulons avoir beaucoup d'argent. That is our human nature as sinners. We want to be great. Ça, c'est ça, notre nature humaine, de vouloir être grand. When God became flesh, he did it in a totally other way. Quand Dieu a pris la chair, il l'a fait d'une autre façon. He didn't come with 10,000s of soldiers onto this earth. Il n'était pas venu avec 10 millions de soldats ici sur terre. He came as a simple child. Il était venu comme un simple enfant. The Son of God had to learn to eat and to drink and to read and all these things. Le Fils de Dieu devait manger, il devait étudier, il devait faire aussi toute autre chose. He is the good shepherd. He is the sheep. Il est le bon berger. And he is the example for us. Et il est notre exemple pour nous tous. He humbled himself until the cross. Il s'est humilié jusqu'à aller à la croix. Let us also humble ourselves. Nous devons aussi être humbles. Sometimes we really fear that we don't get enough. Quelquefois nous avons peur que nous n'avons pas beaucoup. What do we really need? Qu'est-ce que nous voulons avoir? Yes, of course, we need our daily bread. Nous avons besoin de notre pain quotidien. But what we really need in the depths of our soul is that there is someone who says, I love you. And in the depth of our soul, we have the longing for someone who says, I love you. Du fond de notre cœur, nous avons ce désir-là. Lorsque nous entendons quelqu'un nous dire, je t'aime. In the verses before our Bible world, dans le verset qui précède le verset que nous a lu, there is something written about this fear of human beings. Il y a quelque chose qui est écrit au sujet de la peur des hommes. Of not getting enough. De vouloir avoir beaucoup. And then here is written, don't fear little flock. Il est
est écrit ici, ne crains pas, petit troupeau. Jesus Christ, the good shepherd, likes the humble ones. Jésus-Christ, le bon berger, il aime les humbles. And dear brothers and sisters, we can see it from here, we can see it in your eyes. Chers frères et sœurs, nous pouvons aussi les voir ici. You are humble sheep. Vous êtes les brebis humbles. And I'm very, very sure Jesus Christ loves each one of you. Et je suis très sûr que Jésus-Christ aime chacun de vous. Stay in this humbleness. Nous devons demeurer dans cette humilité. Amen. 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 Oui, à travers le monde, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui, aux yeux des hommes, font partie des petits. Nous avons avec nous la police Rita Joam Kanazi d'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, nous avons des frères et sœurs qui sont riches, qui ont fait de grandes études, qui ont beaucoup de succès. Mais nous avons aussi beaucoup de frères et sœurs qui vivent dans des conditions que vous n'aimeriez pas avoir à Kananga. Ils font partie des plus pauvres de cette planète. Et non seulement ils n'ont rien, mais ils vivent dans l'insécurité permanente. Il y a tout le temps des fusillades et chaque semaine nous avons des frères et sœurs qui sont tués parce qu'il y a une fusillade dans leur quartier. Il n'y a pas grand monde qui s'occupe d'eux, ce sont des petits. Mais à chaque fois que je vais dans ce pays, je suis impressionné par la foi de ces enfants. Rien ne les empêche d'aller au service divin. Ils n'aspirent pas au ciel pour échapper à cette terre. Ils veulent juste servir Jésus, faire du bien et devenir comme lui. Et je pourrais citer beaucoup d'autres pays. Vraiment un petit troupeau. Le troupeau des petits. C'est à cela que Dieu va donner son royaume. J'invite la bonne district à nous servir. Et nous avons la chorale, je pense. La chorale des enfants. La chorale des enfants. C'est Thank you.
Thank you very much, dear children choir. Merci beaucoup, le cœur d'enfant. My dear brothers and sisters, I'm glad to be with you. Mes très chers frères et sœurs, je suis très heureux d'être parmi vous. Our Heavenly Father has lifted us up, you know, from our natural challenges. Notre bon Père Céleste nous a beaucoup plus élevés. And put us to dwell in the heavenly realm through the ministration of our chief apostle. Et il a voulu nous mettre plus haut à travers aussi le ministère de notre apôtre patriarche. When I combine these current experiences and the experiences when we arrived here during the choral on Friday, je compare l'expérience qu'on a vécue aujourd'hui et celle que nous avons vécue le vendredi avec la chorale. That makes me to remain grounded in the faith. Cela m'a poussé à pouvoir demeurer dans la foi. This makes me even to understand the depth of this teaching of our chief apostle this morning. Ça m'a poussé aussi à bien comprendre la profondeur de la parole de notre apôtre Padilla ce matin. Because he says, "Don't be afraid, little flock." Parce qu'il a dit, ne crains pas, petit troupeau. There are so many things that can make us unsettled. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre peureux. Our human conditions. Nos conditions humaines. It could be sickness, it could be a shortage of any kind. Peut être les maladies ou le manque de quelque chose. But the assurance this morning is to say, don't be afraid. Mais l'assurance ce matin est que n'aie pas peur. Here's the good example. Il y a un bel exemple. As a young father, en tant que jeune papa, yeah, I was a little bit naughty. When I would play with my child, I would sometimes take him and throw him, you know, on the air and also catch him. Quand je jouais avec mon petit enfant, je pouvais le soulever et aussi le faire descendre. Remember, I don't promote that. Rappelez-vous. I don't promote that. Je ne pouvais pas cela. Tu veux m'encourager dans la connaissance. But now the child, whenever he was there on the air, he looked at the father and he was so joyful. Et l'enfant quand il était au-dessus, il regardait son père et il était très content. The child never think of any dangers because the child looked at his father. L'enfant ne pense à aucun danger parce qu'il regardait son père. So here's my question now to the congregation. C'est la question maintenant à la communauté. What are we focused on? Nous sommes assez sur quoi? Nous focalisons sur quoi? If we focus on the day of the Lord, si nous focalisons sur le jour du Seigneur, if we focus on the love of Christ, si nous focalisons sur l'amour de Christ, if we focus on the palatable green pastures, if we focus on these palatable green pastures on which we need to graze as a little flock. If we focus on these greener pastures, si nous voulons nous focaliser sur le vert pâturage, remember the greener pastures, that's where the little flock must graze, eat, and nourish itself. Rappelez-vous, c'est sur le vert pâturage que les brebis aiment être nourries. Then we shall never be lured away by the evil one. Et nous pouvons pas aller loin pour être pris par le malin.
Brothers and sisters in some other, what you call countries, the grazing land is allocated. There are fences that protect the grazing land. Il y a des places où il y a une belle protection. Now you can learn something great there from these animals. You can learn a lesson from the conduct and the attitude of the animals. Alors, vous pouvez maintenant apprendre sur le comportement des animaux qui sont là. Some of the animals, instead of grazing and eating in this, what you call, in this grazing land, they want to go over. Quelques animaux, au lieu de manger dans l'enclos, ils veulent aller au-delà. And then eventually these animals end up being killed, you know, on the main road by the cars and the trucks. Et finalement, ces animaux, lorsqu'ils vont loin, ils peuvent être écrasés par les véhicules. Let us not look at the greener pastures over the fence. We are in the greener pastures. Let's focus there. Ne regardons pas ce qui est hors le vert pâturage. Nous devons rester dans le vert pâturage. Quand tu écoutes un hila, jamuamo, jalupango, nansha, tu kala imuaba ujimitologeji amashinde mimpe. Unfortunately, those who seem not to be keeping, maintaining this focus with the chief shepherd. Malheureusement, ceux-là qui ne se focalisent pas, qui ne regardent pas sur la commune du berger. Then they stray away. Ils vont loin. Who is this chief shepherd? Qui est ce bon berger? That is the Lord Jesus Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Mukale Jesus Christo. But while we are still here on earth, there's one that holds, you know, a pivotal office in the Lord's work. Pendant que nous sommes sur terre, il y a celui qui dirige cela. We call that a Petrine office. Nous appelons cela le ministère pétrinien. Our chief apostle is holding that office, my dear brothers and sisters. Notre apôtre patriarche tient ce travail. Apostle Tumukulu, ujueza mujumwe ubimpe. So therefore, as a little flock, let us never be afraid. En tant que petit troupeau, n'ayons pas peur. Let's take this teaching and grace and become strong. Nous devons prendre ces enseignements, les pratiquer, devenir fort. For he prepares us for the great day of the Lord's coming. Il nous prépare pour ce grand jour qui est le retour de Remain blessed and stay blessed. Restez bénis et restez toujours bénis. Shalai muji benesha, shalai kabidi muji benesha. Amen. Amen. J'invite les enfants de chanter le cantique de fin de prédication. Thank you.
C'était très beau. Merci beaucoup, chers enfants. Chers frères et chers sœurs, ce matin, nous avons l'occasion de nous approcher de notre Seigneur Jésus pour fêter avec lui la Sainte Seine. Et le Seigneur nous donne ce message ce matin aussi. N'aie pas peur, viens chez moi. Évidemment, nous avons tous commis des erreurs, des péchés. Et des moments où nous n'avons pas fait assez confiance au bon Dieu. Nous n'avons pas lutté avec ses armes, nous avons lutté avec d'autres armes. Nous avons voulu compter sur nos forces au lieu de compter sur lui. Mais le Seigneur nous dit, ne t'en fais pas, je t'aime. N'aie pas peur, mon amour pour toi n'a pas changé. Et même si tu t'es éloigné de moi pendant un moment, je ne t'en veux pas. Viens, je t'aime. Le Seigneur ne nous fait jamais de reproches. Il nous renouvelle simplement l'expression de son amour. Nous fêtons la Sainte Seine en mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous fêtons la Sainte Seine en pensant au repas que nous prendrons avec lui dans son royaume. Et la Sainte Seine que nous fêtons ce matin est un repas de joie. C'est le repas de ceux qui sont convaincus. Le Seigneur reviendra me prendre auprès de lui et je serai pour toujours auprès de lui. Fêtons ensemble aujourd'hui la victoire de Jésus sur la mort et sur le mal. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde, faites-moi confiance. N'ayez pas peur, faites ce que je vous dis, je prends soin de vous. Et que cette célébration de la Sainte Seine contribue à notre paix et à notre force. Que nous repartions avec la paix, sachant Jésus compte sur son œuvre, il veille sur elle. Il tiendra ses promesses et personne ne pourra l'en empêcher. Jésus m'aime et il m'aimera toujours. Et bientôt il va venir et il me donnera beaucoup plus que tout ce que j'ai donné. Le Seigneur a vaincu et avec lui je pourrai vaincre. Et c'est dans cet esprit-là que nous voulons célébrer la Sainte Seine ce matin. Le repas de ceux qui savent, Jésus vaincra. Le repas de ceux qui savent, Jésus même. Le repas de Jésus, de ceux qui savent, bientôt nous serons auprès de Jésus. Et cela peut vivre dans la joie et dans la certitude. Restent maîtres de leur vie et de leur réaction. Et à ceux qui doutent, ils disent rendez-vous au jour du Seigneur et puis on verra. Pour nous préparer à cette célébration, nous chantons ensemble le cantique Zambi Wani.
La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Dieu de grâce et Dieu de bonté, nous te remercions d'être si bon et si miséricordieux avec nous. Non seulement tu nous pardonnes nos fautes, mais tu nous donnes toujours beaucoup plus que tout ce que nous pouvons mériter et obtenir. Nous remercions Jésus-Christ d'avoir remporté la victoire sur le mal. Qu'il est bon de savoir que c'est lui le plus fort. Nous remercions le Saint-Esprit pour sa force et sa consolation. Mon Père, bénis ton œuvre dans ce pays. Bénis les apôtres et tous leurs collaborateurs. Bénis les communautés, bénis tous tes enfants. Prends soin de la jeunesse et des enfants. Nous prions pour ceux qui sont devenus faibles dans la foi, pour ceux qui nous ont quittés. Ô Père, accorde-leur ta grâce, permets-leur de revenir parmi nous. Aide-nous à trouver les âmes que tu veux ajouter dans ton, à ton peuple, ici-bas et dans l'autre monde. Et maintenant, Seigneur, nous aspirons à recevoir le corps et le sang de Jésus. Fêtez ensemble la fête de la Sainte Seine. À célébrer la victoire de Jésus. Et à nous réjouir dès aujourd'hui de ce qu'il va nous donner. Permets à ton Saint-Esprit de déployer sa force. Afin que nous puissions recevoir le corps et le sang de Jésus. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, nous allons célébrer la Sainte Seine. Présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine. Je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit:
Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Et faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. De place, s'il vous plaît. Pour la célébration de la Sainte Cène, nous chanterons tous ensemble en premier les cantiques Banabedou Tousemene. À présent, le Seigneur nous invite à participer à la Sainte Cène.
Wakanda muna. Thank you.
Un très grand merci, chers frères et sœurs, pour cette très belle fête de la Sainte-Sainte. Elle n'est pas encore terminée. Il y a encore toute une partie de l'Église, celle que nous ne pouvons pas voir, qui attend de recevoir la Sainte-Seine. Tous ceux qui nous ont précédés dans la foi et précédés dans notre monde. Et nous sommes heureux de savoir, à travers la foi, qu'ils sont parmi nous ce matin. Et nous profitons de cette fête pour leur exprimer notre reconnaissance pour ce qu'ils nous ont appris et pour ce qu'ils ont fait pour nous. Nous exprimons notre reconnaissance et notre profond respect. Évidemment, nous ne pouvons pas voir dans notre monde. Mais la Bible nous fournit quelques indications comment ça peut se passer. Vous vous souvenez de la rencontre sur la montagne de la Transfiguration. Moïse et Élie sont venus de l'autre monde pour rencontrer Jésus pendant sa transfiguration. Le représentant de la loi juive et le représentant des prophètes juifs. Et la Bible dit dans l'Évangile, ils ne sont pas venus pour parler du passé. Moïse n'a pas raconté tout ce qu'il a vécu dans le désert et comment il a vaincu les ennemis. Élie n'a pas raconté comment il s'est battu contre les ennemis de Dieu et il les a vaincus. Moïse et Élie ont parlé de ce que Jésus allait faire à la croix. Ils ont parlé de ce qui allait venir, la mort et la résurrection de Jésus. Nous respectons et nous sommes reconnaissants à nos aînés pour ce qu'ils ont fait dans le passé. Mais respecter nos aînés, c'est aussi croire qu'ils sont dans l'autre monde avec la même foi et la même confiance en Dieu qu'ils avaient quand ils étaient ici. Nous croyons qu'ils assistent au même service divin que nous dans nos communautés. Et ils écoutent la parole de Dieu qui est annoncée aujourd'hui avec la même foi qu'ils avaient sur cette terre. Entre temps, ils ont pu se rendre compte combien l'œuvre de Jésus était grande. Ils se sont encore rendu compte mieux que nous que c'est Jésus qui avait tout fait, pas eux. Ils parlent de l'avenir. Et ils mettent en pratique la parole qu'il leur a annoncée aujourd'hui à travers le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous disons que l'Église visible et l'Église invisible est une. Ils ne sont pas restés avec ce que eux ils ont prêché il y a 20 ans, il y a 50 ans. Ils entendent et suivent la même parole que nous. Et ils mangent le même pain du ciel que nous. Respecter nos aînés, c'est aussi croire. Ils sont avec nous et ils sont un en Christ. Et nous sommes heureux de pouvoir fêter avec eux cette Sainte-Sainte. L'unité en Christ. Il ne s'agit pas des hommes, il s'agit de Jésus-Christ et de son œuvre. Et ensemble, nous suivons son enseignement.
Et ensemble, nous nous laissons enseigner par l'apostolat vivant de Jésus-Christ. Et je me réjouis de pouvoir fêter cette fête avec vous ici à Kananga. Et à titre personnel, moi aussi j'ai une pensée pour tous ceux que j'ai connus ici dans l'œuvre de Dieu tout au long de ces années. Des hommes et des femmes de Dieu remarquables. Pour préparer cette sainte scène, nous chanterons ensemble le cantique Babikula Banzambi. La communauté reste assise. Après la Sainte Cène, les enfants nous chanteront encore. Mais bientôt tu verras à quel point je t'ai aimé.
Ne m'occupe pas de mon opinion, je ne crains rien, je te donnerai beaucoup plus que tout ce que tu as sacrifié pour moi. Ne crains point ce que je te donnerai sera beaucoup plus grand que toutes les souffrances que tu as endurées sur cette terre. Je ne crains point ce que je te donnerai sera beaucoup plus grand que toutes les souffrances que tu as endurées sur cette terre. Réjouis-toi, bientôt tu seras avec moi dans mon ciel. Recevez maintenant ce que je dépose dans les mains et les cœurs. Le corps et le sang de Jésus donné pour chacun d'entre vous. Pour votre paix en Jésus-Christ. La paix de ceux qui savent le ressusciter et le vivre. Pour votre joie en Jésus-Christ. La joie de ceux qui savent Jésus même plus que tout ce que je peux imaginer. Et pour votre vie éternelle, la communion éternelle avec Dieu et les siens dans son royaume. Amen. 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 Les enfants. Je vous invite à remercier l'Éternel. Tout ce qu'il a eu pour.
toi, Père, pour te remercier d'un seul cœur. Merci pour cette belle rencontre. Cela nous a fait du bien de nous voir tous ensemble. Merci surtout pour ta parole et ta grâce. Merci pour la paix que tu nous as donnée. Merci pour la sainte scène que nous avons faite et ensemble avec l'autre monde et entre nous. Maintenant, le moment est déjà venu de nous quitter. Père, bénis ton peuple ici. Emplis-les de ta force et de ta joie. Bénis leur fidélité, leurs offrandes et leur travail. Accorde-leur ton aide dans la vie quotidienne. Tu sais combien ils auront besoin. Accorde la sécurité et la paix dans ce pays. Et ce que les hommes sont incapables de le faire, toi tu peux le faire. Fais-le, s'il te plaît. Maintenant, Père, notre dernier souhait, tous ensemble, nous te demandons, s'il te plaît, abrège le temps et envoie Jésus. Prends-nous tous ensemble auprès de toi. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus. Et l'amour de Dieu. Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Amen. Merci pour votre fidélité, pour vos prières. Merci à tous ceux qui ont contribué à préparer ce service divin. Merci aux enfants, aux choristes, aux musiciens, c'était génial. Reprenez place, on écoute encore la chorale.
Bravo, Kananga. Encore une fois, merci à vous tous. Nous saluons aussi la présence de Madame le maire. Merci de nous avoir honoré de votre visite. J'espère qu'on ne vous a pas causé trop de soucis avec tout ce monde. Et nous vous souhaitons sincèrement la bénédiction de Dieu dans l'accomplissement de votre grande mission. Merci, madame, pour votre présence. Bien, la porte de district me dit que nous étions en tout 25 837. Je vais lui croire, je ne vais pas recompter. Que Dieu vous bénisse à l'avenir. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de revenir à Kananga. Parce que je me rends compte que je n'ai pas, il n'y a pas assez de jours dans le calendrier pour que je puisse visiter tout le monde. Dans 10 jours, je serai en Australie, en Corée et au Japon. Après, il faudra que j'aille en Inde, que j'aille aux États-Unis. Et quand je regarde mon planning, je me dis, bon Dieu, il n'y a pas assez de jours, il faut que tu me rajoutes des jours. Mais je pars avec le cœur en paix, je vous fais confiance. Continuez à suivre Jésus comme vous l'avez toujours fait. Merci. Shalai Bimbe. Bon, de la fin, c'est pour vous, les choristes. Ok. Ange Sombaï. Je souhaite ici vous remercier pour vos prières. Vous remerciez parce que là vous avez représenté le peuple de Dieu de la RDC Sud-Est tout entière. Comme l'apôtre patriarche a déclaré, bravo Kananga, c'est-à-dire vous êtes la fierté de l'église territoriale. Ce que vous venez de vivre, c'est aussi une expérience personnelle de l'exaucement de vos prières. Vous avez prié, l'apôtre patriarche nous a servi. Et notre travail doit commencer, c'est celui de rendre visible, de rendre vivante cette bénédiction au-dedans de nous. L'apôtre Patriarche vous fait confiance, vous voulez que moi je dise quoi? Vous êtes un peuple béni, vous êtes un peuple heureux. Merci aux frères et sœurs qui ont travaillé dans des différentes commissions. Vous avez investi dans l'œuvre, Dieu s'en souviendra et vous rendra au centime. Le meilleur soutien que nous pouvons apporter à notre apôtre patriarche, c'est de rester nos apostoliques jusqu'au jour du Seigneur. Avant qu'il ne parte, prouvez-lui que vous êtes 100% néo, 100% dans cette ville de Kananga. Allez-y.